Le truc, c'est que c'était pas dans le deal, mais je me suis dit que j'allais tenir le marathon dans le costume tout le long. Mais je vais pas vous mentir, ça va être dur. Hein. Y a peut-être des pièces du costume qui vont partir au fur et à mesure. Genre déjà la boucle d'oreille, je pense que ça va très fast partir, ça me démonte l'oreille. Ma petite boucle d'oreille tête de mort là, que j'ai cop à l'avant-poste hier. Bon, Cassio, on va s'amuser. Bon, je pense que je start eux. Merci, Amon. Bon, tu peux lui mettre une semaine, hein, pour le coup. Enfin... je pense pas qu'il y aura Eva, non. Je sais pas à quel moment ça vous fait rire, mais ok. Ils l'ont eu ? Non, ils l'ont pas eu. Je sais pas ce qu'ils ont fait en face. Ils ont juste mis des voix ? Parce que si la question a fait le tour, elle a peut-être raté des creeps, hein. Non, elle a tout. Elle a le E. Bon, moi j'ai le ruban, donc sur les timings où j'ai le ruban, on va essayer de le proc, hein. Et le reste du temps, on va essayer d'éco mana. Nice. Sur le respawn. Ah, sur le CD, on a réussi à le proc. Quand elle va s'avancer sur les ranges là, avec celui-là. Tout petit peu trop tôt, my bad. Ouais. Bon, game viewer, hein. Classique. Un peu cringe. Mais bon. Un peu l'habitude. Faut que j'arrive à shove la wave et à faire un back. Hein. Du coup, la Lilia m'a mis 200-300 HP. Je suis un peu out. On a de la chance, elle m'a gros pas trop sur ce timing. Elle peut peut-être essayer de freeze et me jouer sur le timing où je reviens. On va me cancel. Ok. Well. Flash-le. Ah, il a... Il n'a pas de flash. Tout trop vite. Pourquoi flash in ?
Faut que je refasse quasiment un bac. Hein. Ok, elle va pseudo freeze. Pas trop ce qu'elle fait. Ah, nice freeze, c'est cool. Ok, on va reset. J'ai toujours pas chapter, mais je peux pas trop rester, je pense. Pas de mana. Enfin, pas assez pour pouvoir genre tenir un retour de Lilia au co-mid. Je vais pas air pour revenir, on va juste marcher tranquille. On est bien au farm. C'est fine. Merci Godoldogos pour les 5 mois. Merci Vesam pour les 9 mois et merci Karazu pour les 13 mois. Rise, c'est un peu mieux que GP déjà. Niveau maîtrise de champion. On va meurre ? Ok. Oh ça, ils sont vraiment pas trop trop cringe en game viewers. Les mecs en face à chaque fois. Nice berceuse, I guess. Nice berceuse. Est-ce que je fais des mercures ? Je pense pas en vrai. Limite, j'aurais dû faire une verdante, quoi, mais je vais juste go full AP. C'est whatever. Merde. Ok, on va essayer de jouer un peu la map, là, je pense. J'ai mon R, je pourrais peut-être aller au top. C'est un bon setup au top. Chaîne. Il a reculé le mec ? Nice. C'est free. On va Goluzen. Ils ont 2 kills en face sur Thresh. Botlane qui est morte. Son behind OCS. Top, ça va, il est devant. Il tient même. C'est bizarre qu'il tienne avec Shen contre Urgot. Tant mieux. S'il joue bien, en plus, il pourra m'aider quand je split plus tard. Ouais, plus vraiment besoin de la poke ou quoi. Hein. J'ai plus de ruban à faire proc, pardon. C'est le rom qui remonte un peu. Un peu abusé tout à l'heure. Reset baguette. Merci ZFox pour les 4 mois. Merci Michel Delfuego pour les 10 mois. Un pour un bot. Et ADC. Enfin, un shutdown sur Thresh. Hein. Je pourrais essayer d'y aller plus tard. Quand j'aurai mon R ou quoi. C'est
C'est risqué ce qu'il fait, hein. Faut se barrer très très fast, mon frérot. On va se prendre un aérogote, non? Ok. Mon deuxième pick, c'était Cassio. Cette saison, ça me fait du mal de l'avoir dans cet état, le perso est trash tier. Le mec en face est juste ignoble sur Cassio, hein. Non mais en vrai, dire que Cassio est dans cet état, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison de dire ça. Enfin, je veux dire, le perso est... a jamais été extraordinaire, quoi, sauf quand... Je pense que tu fais rien. Je suis mort. Pas mort. Pas sûr qui tue. Respect à lui. Go Herald. Ils perdent tellement de sbires en plus. Après bof, parce que la tour va tomber vite. Si le creep peut aller sous la tour direct. Focus l'Herald. Paraissait pas être un très bon call, frérot. Surtout qu'il va leur laisser le Drake, je crois. Non, ça va. Regardez la TP. J'ai mon flash cette fois-ci pour gérer Lilia. Lilia Cassio, après il y a encore. Enfin, du coup, la Cassio a son flash aussi, quoi. Le marathon d'aujourd'hui, c'est le sub goal pour faire l'histoire de Sea of Thieves à la base. Mais je fais juste un peu de LOL avant pour dire de. Faire un petit peu de LOL. On essaye de s'amuser sur League of Legends. Fight-le si tu peux. En vrai, on va le dive. Pixel le chaîne en vrai. Gros respect aux viewers sur chaîne. Ouais, oh, j'ai pas vraiment envie de lui prendre les plates. Ok, TP. Je pourrais TP aussi, mais. Pas vraiment de mana ni rien. Si on peut prendre une plate de plus, c'est déjà bien. Je reset, je fais une baguette. Non, une grosse baguette. Bon, je vais faire Seraph 2. Everfrost. Cosmic Drive, pardon. 3. Je tourne ma TP. J'arrive. Ok, je sais pas trop pourquoi ils font le Drake alors que toute leur team vient de crever, mais ça m'est bien. On récupère du coup. Hop, il y a le blue buff à aller prendre. Seraph, c'est dans... Ok, 400 gold. Oh la game, je l'ai un V9, trop feed.
Ils pourront pas pouvoir faire grand chose, y'a personne qui pourra me match en side en vrai. Merci à Saken pour les streams. Parti pour un Seraph à la base. Ah, elle va me... Ok. Il me voit back ici quand, par rapport à la tour, je crois pas. Quoique, il me voit peut-être, c'était peut-être pas un back très smart du coup. Mais bad. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle me voie. Ah, elle me voyait sûrement. Merci Rolling Wanted pour les 3 mois. Merci Zoro Kujo pour les 7 mois. Merci Super Clampin pour les 8 mois. Merci Bot Aoshin pour les 11 mois. Et Shiro, merci pour les 9 mois. Merci pour tous les subs. Bon, ils ont eu un shutdown. Un Kagold sur Lilia. L'Hérald. C'est pas ouf, hein. Elle est en killing spree la Cassio, what the fuck? Quoi cette merde? Chiant ça. Your turret has been destroyed. Our shadows hide dark forces. My story that would take ages to tell. Elle va être là, non? J'ai le Luden. Pas de verre? J'avais pas vu qu'il était là, Ivan. Oh dommage. On va faire la CDR. C'était un peu deep sur Cassio là-bas, mais je perds mon flash, le R, c'est pas ouf. Je vais side au bot. Il y a un Drake dans 50. J'aurais pas de flash. En vrai, ça va être dur pour moi de fight. Hein. J'essaie de créer de la pressure en side. Oh, c'est très grave le chat. Un pink là. Mais pas besoin de chaîne. Hein. Il voulait sécure, mais je l'extermine. Je sais pas pourquoi elle tente ça. On est full avec le chasseur, ils ont tué Pike, c'est un peu sad. Je suis pas. Pas réussi à mettre un Q. Il a eu le chêne. Oh, pourquoi il retourne dedans?
Fallait pas prendre le hook. J'aurais dû mettre un Q pour la mousse speed direct. Vous cassez les couilles, André. Mais je suis en game. Ah ouais, il casse les couilles, je suis en game. Enfin, c'est très sad, leur level. Enfin, ils m'ont juste pété les couilles. Alderiat, qui engraine Carnage. Mais enfin, c'est vraiment des dogs. Hein. Voilà. Carnage, qui était déjà une sale merde de base, va devenir encore plus une sale merde grâce à son gourou, Chien Derriat, abuseur de Garen, depuis 10 ans. Ok, ok. Sad. Sad. Très sad, la commu. Ainsi que les colocs. Moi, je vais contre le Urgot. Mais ils m'ont cassé. Mais vous savez que... Enfin, pour vous dire à quel point ils sont très sad, il y en a un qui est venu... Enfin, je vous ai déjà montré 50 fois, mais il y a deux portes. Il y en a un qui est venu de la salle de bain, un qui est venu du couloir. Ils ont ouvert les deux portes en même temps. Ils étaient contents. Quand tu fais quoi? Ok. Non mais c'est très grave. Ils étaient pas... Ah ok, mais ils doivent avoir fini. Ils étaient partis faire la muscu et tout. Je pense qu'ils viennent de finir. Ah, trois bottes. Je vois. Bon. Ah mais je sais qu'Urgot est derrière, enfin ils font quoi? T'es là-dedans en fait. Ou Lilia est en train de revenir ici. Ils peuvent nage peut-être aussi. Qu'il faut Rabadon. Je vais faire ça pour maintenant. Mais je pense qu'il faut Rabadon. Allez. Que la force des pirates soit avec moi. Pour carry le gros QMR2 des 4 viewers avec nous. Faut que je passe 16 là. Le truc, c'est qu'elle a une banshee, je peux pas trop. Elle va passer là. Un seconde le Drake, je peux push ça et mettre de la pression.
forcément va venir sur moi. Faut taper, mais mon frérot Metroid. Tape. Voilà. Faut faire ça un petit peu plus tôt. Ok, bien joué. Go. C'est un support, c'est un support, c'est un support. Voilà. A réussi à mourir quand même. Je peux TP pour Drake s'il faut. Il y a MF qui arrive. Je vais TP. On a le R de chaîne. Ah, ouais. C'est compliqué. Ouais, non. On va le laisser. On va le laisser, c'est le deuxième. Qui joue à l'opposé du nage. J'ai plus de flash. C'est un peu triste que ce move nous donne pas le Drake et un nage derrière quand même. Il y a du monde qui arrive. Mettre ça pour TP. Ok. Nice. Je pense qu'il peut me tuer, hein, même avec le peu de stuff qu'il a. Go le faire. C'est pas très grave, je peux le sécure tranquille. Je dis ça, je vais me le faire style par MF, I guess. Sortir. Dommage parce que le chêne il a son R mais il regarde pas trop, j'ai l'impression, parce que là il y a personne en face de lui quoi. Ok. Essaye de garder la terre en vie. Ce push là, je suis presque 18. J'ai pas de R, j'ai pas de flash encore, mais il me faut un peu de gold pour le Rabadon. Ok, c'est fine. On a 4. Je go Void Staff, je pense, en Lost. Il y a une Banshee. Après, il n'y a pas tant de RM que ça. Hein. Je pourrais go un item défensif, peut-être. Je sais pas. Je pense que Void, c'est quand même le mieux. On n'a pas vraiment besoin de moi pour le tuer normalement. Ok.
Il a pris cher, hein. Le truc, c'est que le maître, il doit pas rester avec moi, quoi. Et je sais pas pourquoi... Hein. Il back alors qu'on a tué le Urgot et qu'on a le buff Nashor encore. Son legit back, et lui, je sais pas pourquoi il reste avec moi. Hein. Je suis le speed pusher, les frérots, pas... pas le mec que vous devez suivre partout sur la map. Faut qu'on arrive à avoir le Drake, je sais pas ce que fait Maître Yi. Y'a un Drake, frérot. Il back. Ah, ils vont le jouer avant, que, avant qu'il soit là. Hein. Oh là là, il est lost. Après, bon, la Lilia était top, on a de la chance. Peut-être. Choper Lilia. C'est l'âme du Drake, faut que j'y aille, mais j'essaye de pressure leur base. Je vais flank. Fuck. Peu le Drake. C'est compliqué, hein. Well, je ne vais rien dire, c'est fine. On va essayer juste essayer de gagner en silence, bien se passer. Mais j'avoue que les viewers se foutent royalement de ma gueule quand même. Autant la game de GP, je peux pas dire grand chose parce que je suis immonde sur le pic, mais là... R avec ta Caitlyn. Bon, elle a flash, c'est fait. Elle va mourir, hein. Il est mort, on en vient. Pas d'élixir. Que ça l'a un peu calmé. Elle va être là, là. C'est pas Ward ici, je pense. S'ils savent que je suis là, il y a un problème. J'ai appris un élixir rouge. Je peux pas l'enlever. Je vais aller à l'opposé du Nash. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Son trinket rouge dans le pit, là.
faut pas mourir. Faut juste pas mourir. Oui, je pense qu'ils vont... Pas qu'elle me voit. Elle m'a vu ? Allez. Maintenant... Elle push le side, hein. Il a beaucoup de move speed et je peux pas trop anticiper ses déplacements. Ok. Ça met bien, où est-ce que met la Lilia? Mais bon, c'est la main infernale, quoi. Elle est en 3-11, hein. Je vais pas TP, je vais aller faire le bleu, il y a un break dans 25. Un 5v5 Audrey qu'on gagne pas. Je vais end la game. Ah, il y a aucun bac qui a été cancel là ? Et il TP top. Ah oui, bah TP top, frérot. Oh, je suis mort. Hein. Elle va me resto une fois. Elle veut juste à mettre une auto. Ok. Bon. On a perdu, ils sont 5 man Eldor mid. Ok, eh bien nous avons lose. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais c'était assez sad. Bon. Je pense qu'on ne gagnera pas une seule game en roleplay pirate. Les viewers n'ont pas très envie de gagner.